Bonjour Audrey. Aujourd'hui, on est le vendredi 6 octobre 2017. Pour le dîner, nous avons des caisseurs au jambon et saladette. Les animateurs et animatrices pour ce midi sont nos animateurs en charge des volontaires, le script Rosalie puis le cadreur c'est Amélie. Aujourd'hui est la journée mondiale du sourire. Alors là, il faut sourire jusqu'à la fin des messages. Oui. Audrey, faut pas oublier. Les intramuros aujourd'hui sont annulés pour l'actimidi. Actimidi ce midi, ça va être la chaise musicale. Il y a une partie de soirée lundi, puis c'est congé, à midi contre AQV. C'est congé, donc venez à l'école encourager nos filles qui jouent au soccer contre l'équipe d'Alousie. Aujourd'hui, nous désirons souhaiter une bienvenue spéciale aux auteurs Michel Hellman, Philippe Basque et Jocelyne Mallet-Parra, qui viendront parler de leur livre à plusieurs classes. Un rappel aux élèves qui ont un laissez-passer pour participer à l'animation du BDiste Michel Hellman, que vous devez obligatoirement présenter votre laissez-passer à votre enseignant avant de vous rendre au C225 pour la prise de présence et avoir son approbation. Élise, fais ton message. J'ai un message à faire. En fait, j'en ai trois petits. Le premier, ça c'est quoi Audrey? Ça ici, c'est toutes les relevés de notes non officielles des élèves des 12e année. Et les petits billets, les petits papiers jaunes qui sont là, tu sais quoi? Non plus. Tu peux-tu deviner? Non, non, pas vraiment. Ça se trouve à être les élèves qui ne sont pas venus à leur rendez-vous, qui était obligatoire. Alors, je veux tout simplement faire un rappel que tous les élèves de 12e année ont eu un rendez-vous obligatoire avec moi et c'est prévu jusqu'à la fin octobre. Mais lorsque vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous et que vous ne venez pas me dire durant une pause que vous l'avez oublié ou que vous étiez absent, que, bon, telle et telle raison, moi, je ne vous en donne pas un autre. Donc ici, pour avoir des élèves qui se retrouvent un petit peu dans un moment de panique rendu à la fin octobre, si vous ne revenez pas me voir. Donc, la rencontre, c'est pas compliqué. On regarde votre relevé de notes, on s'assure que vous avez toutes les conditions d'admission pour les études que vous voulez faire. Prenez le temps de venir à votre rendez-vous. Et les enseignants aussi reçoivent des avertissements que vous sortez de leur cours, mais ça, c'est votre responsabilité. Donc, moi, j'ai pas de problème, puis je comprends ça, de vous changer un rendez-vous ou de modifier l'heure parce que vous avez un test ou un quiz. Mais on ne peut pas deviner et les enseignants n'ont pas la responsabilité de vous dire vos rendez-vous. Donc, c'est pas compliqué, venez à vos rendez-vous ou venez me voir durant les pauses pour m'aviser si vous voulez faire des changements. En passant, toi, t'es en 11e, Audrey? Les 11e, je vais aller vous voir en classe le 12 octobre pour vous parler, vous autres aussi, des prochains rendez-vous, des rendez-vous que je vais vous donner. Donc, tout le mois de novembre va être réservé pour vous autres. Puis, c'est ça. Les 12e, n'oubliez pas ça. Aussi, j'ai un petit message à faire concernant la semaine de l'orientation. J'ai mis de l'or, mais c'est comme l'or, c'est de l'orientation. Pour éviter qu'il y ait confusion. À chaque année, la semaine de l'orientation, c'est toujours comme ça au niveau national. C'est la première semaine du mois de novembre. Mais à chaque fois, il y a tellement d'activités parce que ça tombe en même temps que nos activités d'Halloween, qui est le 31 octobre. Puis aussi, cette année, on a les élèves, vous autres, vous avez un congé là, le 3 novembre, parce que c'est des rencontres pour les enseignants. Donc, pour faciliter la semaine d'orientation, la semaine d'orientation de PLM, notre semaine à nous, va être la semaine suivante, c'est-à-dire du 6 au 10 novembre. J'espère que je n'ai pas mêlé tout le monde, parce que vous allez entendre parler de la semaine d'orientation, fin octobre, début novembre, mais nous, on va la célébrer ou la fêter ou la souligner dans la semaine du 6 au 10 novembre. Par contre, les élèves de 9e année qui vont faire « Invitons nos jeunes au travail » vont le faire dans la vraie semaine d'orientation qui est au mois de novembre, qui est le 1er novembre. Ça, c'était mes trois petits messages. Ça va? C'est tout. Oui, c'est tout. Bye, 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 merci!